Je suis en section régionale cette fois-ci, et donc à ce titre, je vais appeler Élodie Vandaël, présidente du CJEC Provence, et Sylvain Falco, vice-président du CJEC Côte d'Azur. Ce binôme de jeunes consoeurs, confrères, vont remettre à mémoire à un lauréat. Un prix. Encore un. Il n'en reste plus qu'une lauréate pour l'instant, qui a travaillé de longues heures sur un sujet dont on entend souvent parler dans nos cabinets. C'est pas la paye, je vous rassure tout de suite. Ça va aller. Mais c'est plutôt la gestion de patrimoine et le démembrement. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Julien Démé. Bravo. Félicitations. Bonjour. Donc avant de te remettre ce prix, j'aimerais aussi m'adresser à l'assistance pour... Est-il encore nécessaire de présenter le CJEC? Parce que vous avez tous dit que... Tu peux dire ce que tu fais en région? Tout à fait. Donc le Club des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes, c'est l'association qui est là pour vous aider, accompagner et représenter auprès des instances. Mais aussi, le CJEC est un créateur d'événements où on fait des réunions, des soirées, des activités et aussi des galas en fin d'année. C'est un facile. Voilà, avec nos copains de l'annexe, ceux qui vont bientôt être diplômés. C'est un facilitateur d'échange qui vient rompre l'isolement et propose aux adhérents qui s'installent ou s'associent de partager des expériences ensemble. Oui, parce que le CJEC, ce n'est pas seulement des promotions avec les différents partenaires et les événements des instances, c'est également rencontrer de jeunes professionnels qui connaissent le même parcours que vous et qui rencontrent les mêmes difficultés, et ça permet de faire naître une solidarité. En fait, on forge son réseau au CJEC et c'est un facilitateur pour votre installation. Et on est là, on est sympa. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour adhérer. Et puis, je vais laisser la parole à Julien, qui doit vibrer comme moi de voir cette belle salle aux rayures rouges et noires. Voilà. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci. Je vais tout d'abord commencer par remercier ma famille, notamment mes parents, et plus particulièrement ma compagne, qui visiblement a dû faire preuve d'un peu de patience pendant la rédaction du mémoire, avis que je ne partage pas forcément, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Et merci au CJEC pour ce prix, et merci à tous. Merci beaucoup.